Fernandes gets it in, and they had the chance there. Well, De Ligt's hurt. Yeah, he's down flattened in that incident. Guerrero, Ronaldo! You thought that might be a moment, but Seleson was able to grab that out of the air. And I think Ronaldo, anyway. Yeah. Bernardo Silva, cut back, Guedes! Does it for Portugal, they have the lead! On the hour mark, breakthrough! Into the danger area, and a big, big save there to deny Memphis Depay. Big chance that to level it. So much of Deflair's in the wall from his team, trying to give him the best eyesight. He's asking for Dumfries to get out of there. Not this time from the maestro. He's going any minute. He's gone now. Portugal in Porto. Two titles in 3 years. European Championships 2016 and the first ever winners of the Nations League at home. And how they love that here. One, the Netherlands, nil. And it's Portugal who lift the trophy as winners of the first ever European Nations League. Home bankers. Là, il y a de l'espace, beaucoup d'espace pour Rodri, le ballon qui va être récupéré par Marcos Alonso avec Ferran Torres, Busquets, il la montre avec Busquets pour Mikel Oyarzabal, tente de s'emmener ce ballon, Oyarzabal, il est passé, la frappe d'Oyarzabal, et c'est petit filet opposé, et ça fait 1-0 pour la Roja. C'est terrible pour l'équipe de France qui vient tout juste de heurter la barre transversale. Et dans la continuité, c'est l'Espagne qui mène à 1-0 grâce à l'attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Gauche, Karim Benzema qui a tout Hernandez dans son dos. La frappe! Oh oui! Ah, le but! Le chef-d'œuvre! Le bijou! Signé Karim Benzema qui vient envelopper délicieusement ce ballon dans la lucarne opposée. Un but partout entre l'Espagne et l'équipe de France. Quelle merveille! Plus que jamais, sixième meilleur buteur de l'équipe de France. Et Mbappé qui est parti dans le dos de la défense espagnole. Mbappé le piqué. Oh, ce sera au-dessus. Au-dessus de la transversale. Oh, c'est en train de flotter défensivement du côté des Espagnols qui eux aussi étaient irréprochables au niveau de la discipline tactique depuis le début. Euphémis. Théo Hernandez. Oh, le bon ballon. Oh, le bon ballon, Théo Hernandez avec Kylian Mbappé. Le but! Oh, quel régal! Quel régal ce passement de jambe pour déséquilibrer Unai Simon et le tromper tranquillement derrière. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France grâce au 19e but en sélection de Kylian Mbappé. Mais quelle passe de Théo Hernandez! Tout est parfait sur ce but-là. C'est encore une fois Théo qui fait la différence. Attention, la relance manquée par Upamecano. Marcos Alonso avec la volée d'Oyarzabal et l'arrêt décisif d'Hugo Lloris. Kylian Mbappé avec Griezmann. C'est Mbappé qui est cherché et qui est servi. La frappe est captée en deux temps par Unai Simon. Qui peut plus en difficulté mais qui donne des consignes. Fornas, la demi-volée et encore Hugo Lloris. Il est monstrueux, Hugo Lloris, décisif il y a quelques instants. Il remet ça sur cette demi-volée. Et c'est fait!
c'est fait, l'équipe de France remporte un nouveau titre et remporte cette Ligue des Nations 2021. La joie de Karim Benzema, celle de Kylian Mbappé, de Théo Hernandez. Ils auront souffert ensemble, les Bleus, ce soir, importante dans les dernières minutes de cette rencontre. La joie du Goloris et de l'équipe de France qui remporte cette Ligue des Nations 2020-2021 et qui succède au Portugal qui avait remporté. Gavi en la presión, en el disparo, fuera. Lástima Gavi desde la frontal. Balón colgado, cuidado Unai Simón en dos tiempos. Llegó desde atrás Iván Perisic. Cae Espetkovic, no pasa nada. Viene Rodri para el disparo, fuera. El golpeo de Rodri directamente fuera. Y es ahora en buen pase ahí, buscando a Merino. El balón hacia la frontal. ¡Sufa! ¡Y lástima! La ha sacado el defensor. Y eso se va a córner. La ha sacado, creo que era Iván Perisic. El disparo de Ansu, que se iba al fondo de la portería, estaba batido Livakovic. Diciéndonos que están convencidos de que se podía ganar, de que las situaciones adversas se saben sobreponer, y ahí van. Pavlasic, gol. Golpea el 20 de España, golpea Joselu, gol. Gol de Joselu, arriba, imposible para Livakovic. Viene Brozovic, gol. Ha engañado con Rodri, poca carrera, golpea, gol. Bien lanzado por Rodri. Muy parecido al de Brozovic. Luka Modric que mira, que golpea Unai. Gol. Mikel Merino que le golpeó. Gol. Qué tranquilidad de Mikel Merino. Sí, señor, con sangre fría. Al hacer la carrera y buscar el golpeo. Allá va Mayer. ¡Vamos! ¡Sí! Ha parado Unai Simón, que aprieta los puños. Y España marca. Se saca al aire Asensio. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco Asensio! ¡Gol para España! Iván Perisic en la carrera. El golpeo. ¡Golazo! ¿Pero este tipo no era zurdo? ¡Qué tranquilidad! La Liga de Naciones. ¡Bala por al larguero! ¡La perla envía al larguero! ¡No me lo puedo creer! ¿No puede parar otro? Evidentemente que sí. ¡Viene Petkovic! ¡Unai! ¡Unai, Unai, 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 Unai! ¡Prestigio! ¡Viene Carvajal para el golpeo! ¡Gol! Fría de Carvajal, que parecía un especialista de 100 penaltis lanzados y 100 marcados. El golazo de Dani Carvajal, el título para España. A la de dos y a la de tres, arriba España, campeona de la tercera edición de la Liga de las Naciones. Lo celebra el público, lo celebran los jugadores, levanta ahora Navas el trofeo.